Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo sur Xur qui se trouve actuellement sur Titan dans la zone de la plateforme. On va donc regarder un petit peu ensemble ce qu'il a à nous présenter comme stuff pour ce week-end. Donc déjà, première nouvelle, Xur vend le Telesto. C'est un fusil à fusion archi-cheaté qui tire en abyssal et qui tire des munitions adhésives et explosives. Un fusil que je vous recommande de posséder si vous ne l'avez pas déjà. On continue avec la vélocité des éons pour les chasseurs, donc ce sont des gants qui sont plutôt destinés à ceux qui aiment jouer en équipe, qui sont donc plutôt intéressants pour ceux qui jouent en raid par exemple, puisque ce sont des gants qui vont monter l'énergie des compétences des autres joueurs de votre équipe. Par exemple, lorsque vous réalisez une esquive avec votre chasseur, vous allez monter l'énergie de grenade des arcanistes qui se trouvent à proximité. Même chose pour les titans, cela va monter leur énergie d'attaque de mêlée, et pour les autres chasseurs, ce sera tout simplement l'énergie des esquives qui va être augmentée à son tour. On poursuit avec ce casque pour les arcanistes, le sourcil de vérité. Donc c'est un casque de la ruche qui peut être assez intéressant en PVP puisqu'en effet il améliore le taux de recharge de votre grenade quand vous faites des frags avec une arme énergétique. Donc sachant que ça marche aussi, et ça c'est là où ça devient intéressant, sur les alliés lorsque ceux-ci se trouvent à proximité de votre personnage. Donc en PVP ça peut être plutôt sympa ou dans les activités de haut niveau. Et enfin, on continue avec la citadelle et vous allez voir que c'est vraiment abusé des gants pour les titans. Donc pour ceux qui jouent épée, principalement, ces gants sont super intéressants puisque quand vous allez mettre la garde de l'épée, vous allez obtenir dans un premier temps un bonus de vitesse de déplacement et vous allez, attention, ne consommer aucune munition pendant la garde. Donc déjà, rien que ça, c'est assez intéressant. Mais attendez la suite, dans l'optique du gant bien cheaté, vous allez comprendre, les tirs qui vont être bloqués juste après que vous ayez déployé la garde de l'épée vont automatiquement vous rendre des points de vie. Donc si vous êtes titan, si vous aimez jouer à l'épée, ces gants sont faits pour vous, il faut absolument que vous les ayez puisque c'est vraiment super intéressant pour vous si vous êtes dans ce cas de figure de jouer avec. Et voilà, comme on dit, c'était court mais intense, j'ai fait le tour de ce que Xur a à nous proposer cette semaine et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !